je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Je me souviendrai de ta fidélité. Je pourrai encore chanter, chanter pour tout ce que tu fais. Oui, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Mais qu'ils te louent, Seigneur, avec des danses. Qu'ils te célèbrent avec le tambourin et la harpe. Père, tu prends plaisir à ton peuple et tu glorifies les malheureux en les sauvant. Ce matin, nous célébrons tes louanges. Oui, Seigneur, tes louanges sont dans nos bouches et le glaive à deux tranchants dans nos mains. Ce matin, nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ton amour, car tes bontés se renouvellent et tes compassions ne sont pas à leur terme. Oui, tes compassions ne sont pas à leur terme. Et c'est ta raison que Habacuc s'est écrié et a dit: toutefois, en dépit de tout, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force et il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me tient la main et me montre le chemin. Oui, Seigneur, ce matin, tu me montres le chemin. Ce matin, tu nous montres le chemin. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a de l'espoir, Seigneur, ce matin. Il y a des cris de joie sous nos tentes ce matin. Parce que tes bontés se renouvellent et tu nous parles de joie. Alléluia. T'es sauvé. T'es sauvé. Le torrent descend sur tout son parcours. Il répand la fraîcheur.
sortira mon abri. Réjouis-toi, mon âme. Éclate de joie, mon âme. Tressaille d'allégresse, mon âme. Pousse des cris de joie, mon âme. Pousse des cris de joie, mon âme. Éclate de rire, mon âme. Rie à branche déployée, mon âme. Est-ce que l'Éternel fait une chose nouvelle? Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras et a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. L'Éternel a rassasié de bien les affamés. C'est lui qui fait du bien à mon âme. Mon Père, mon Seigneur, mon bon berger. Oh, tu peux le dire avec nous ce matin. De notre confiance en toi. Je me réjouis, 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 je me réjou
Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, à toi la gloire.
riche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Il me fait prendre des hauteurs et des hauteurs. L'Éternel est ma force.
bénédiction. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Quand tu déploies ta puissance à travers ton église, tu es bon. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu nous visites sur nos couches, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Et tu nous guéris, Seigneur. Tu nous redonnes de l'espoir et nous fais avancer. Tu es bon.
Juste, responsable, bienveillant, compatissant, lent à la colère, miséricordieux, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Et ce matin tu restaures, et ce matin tu guéris, ce matin tu déverses tes fleuves de guérison dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages, dans nos nations. Tu redonnes de l'espoir. C'est pourquoi tu es merveilleux. Tu es digne de nos louanges. Tu es merveilleux. Tu es digne de nos louanges. Nous te rendons la gloire et nous te rendons la gloire et tous nos hommages, car tu en es digne. Tu es merveilleux, tu es digne de nos louanges et nos hommages. Tu es merveilleux, tu es digne. Toi seul a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Jean a pleuré alors qu'il s'est rendu compte que personne n'était digne de prendre le livre. Dans cette révélation, dans Apocalypse, et l'ange l'a rassuré en disant: l'agneau qui a été immolé, lui, il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Nous t'adorons pour tout ce que tu es, au-delà de tes œuvres, au-delà de tes bienfaits. Nous t'adorons pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Nous t'adorons pour qui tu es. Le seul qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Tu t'es sacrifié, tu t'es offert pour nous réconcilier avec le Père, et tu seras jamais célébré. Tu seras dans toutes les saisons et dans tous les âges magnifié. D'éternité en éternité, tu seras glorifié.
joie aux hommes, au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire aux hommes. L'alpha et l'oméga, celui qui dit la chose arrive, célébré à jamais. Hosanne, siècle des siècles, tu règnes jamais, tu n'as pas de pareil. Que ton règne vienne,
de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, de dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient les pieds et de dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint !» et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi !» Je suis perdu. Je suis un homme, une femme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, le Saint des saints. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et me dit : Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité t'enlever et ton péché t'expier. Alors j'entends la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et ce matin, je me crie « Me voici, envoie-moi, Seigneur !» Alors que nous entendons ta voix, Seigneur, nous voulons dire « Nous voici, envoie-nous !» Nous voici, envoie-nous, Seigneur !» Alors que nous entendons ta voix, nous disons « Nous voici, envoie-nous, Seigneur !» Nous voici, envoie-nous, Seigneur ! Nous voici, envoie-nous, Seigneur ! Entendez sa voix comme nous l'entendons et que vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, nous vous invitons à l'inviter dans vos vies ce matin. Nous vous invitons, nous vous exhortons à l'inviter dans vos vies.
si tu n'as pas encore fait la paix, si tu sais que tu viens à l'église, que tu portes un nom de chrétien, mais que tu n'as pas fait la paix avec Jésus, pendant que nous finissons ce moment, nous t'invitons à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur et à juste dire, Seigneur Jésus, je t'invite à prendre le contrôle de ma vie. Je ne veux plus vivre comme avant. Je veux vivre en nouveauté de vie avec toi. Je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je veux marcher avec toi. Accepte-moi ce matin et que ma vie puisse te glorifier. Si tu as fait cette prière, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Le ciel est en joie et nous aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui se déverse dans ta vie, qui se déverse dans vos maisons, qui se déverse dans nos nations. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton alliance. Merci pour cette belle journée qui commence pour quelqu'un. Merci pour tes promesses. Amen. Nous vous souhaitons à toute une bonne journée et nous vous invitons le samedi prochain à la même heure dans sa présence.